côté vers Omego. Omego qui met dans la boîte pour Bernard. La frappe de Bernard. Quel but de Bernard à la 18e minute. Boulboua Bernard qui envoie un missile, un canon dans les buts d'Ibrahima Sy. Quel but, l'ami. Incroyable. On parlait du but de Taïwo. Regardez le ballon. C'est un chef-d'œuvre, un bijou. Voilà. Oh, Boulboua Bernard. Il amène le ballon. Assurément, le but le plus beau du tournoi. Aile de pigeon. Tout de suite, une frappe plongeante. C'est une frappe plongeante, c'est pour ça que le gardien Ibrahima Sy n'a rien vu. Ouf. Ouf. Quel but. Très talentueux aussi du Sahar. Le corner de Alassane Silla. Le coup de tête de Mohamed Salah sur le poteau. C'était la balle d'égalisation. Il a sauté plus haut que tout le monde. Et catapulte ce ballon sur le montant droit de Joshua Enaolo. Faute Roger Gomis sur Obinna Wobodo. Le carton jaune du match. Oh, 1-0. La joie du bain nigérian. Et des supporters nigériens également. Les voilà. Alain Kidjaba, la danse du léopard. Le Nigeria, sacré champion d'Afrique des moins de 20 ans. C'est le 7e titre du Nigeria en 19 éditions. Devant le Sénégal, devant les Lyonnais qui n'ont pas démérité, qui nous ont battus jusqu'au bout face au Flying Eagle. Ils ont été battus sur un détail. Parce que ce but d'anthologie, on n'a pas vu les Nigériens nous créer aucun problème, ni défensivement, ni offensivement. Mais nous aussi, on n'a pas su concrétiser nos occasions, parce qu'on en a eu. On s'est créé des occasions de but, comme en première mi-temps, comme en deuxième mi-temps. Mohamed Moussa, un capitaine heureux, meilleur buteur du tournoi, et qui va grandir dans quelques instants en compagnie de ses coéquipiers. Le trophée continental. Et aujourd'hui, bravo au public sénégalais. Ils ont rendu la tête belle. Ils sont venus en masse. Le Nigeria, champion d'Afrique, après les titres de 1983, de 1985, 1987, 1989, 2005, 2011. Maintenant, en 2015, le Nigeria, champion d'Afrique dans la catégorie des moins de 20 ans. Et ils vont aller jubiler en compagnie de leurs supporters. C'est des moments que ces joueurs nigériens n'oublieront jamais dans leur carrière. J'étais parti au championnat du monde du cadet. Aujourd'hui, ils viennent gagner le championnat d'Afrique du Nord, ils vont à la Coupe du Monde. Je pense que ces Nigériens ont donné de la fierté au peuple nigérien. Mais néanmoins, qui traverse des moments difficiles avec les attaques de la secte islamiste Boko Haram. C'est un trophée qui va donner du bonheur au peuple nigérien qui a souffert ces derniers temps. Bien sûr, et peut-être que ce sera ce qui pourrait peut-être amener un peu la paix, parce qu'arrivé à Lagos, toute la population nigérienne sortira pour les accueillir. Et je pense que, oh là là, comme c'est beau. La question entre Moustapha, hyper joyeux, tout comme le public nigérian, la joie des Flying Eagles qui ont survolé cette compétition du début à la fin. Pour le trophée, ils l'ont mérité, Ibrahima. Il faut être juste. Ils ont eu le beau football, ils ont eu le meilleur buteur, ils ont eu la meilleure défense. Moi, je pense que ces gosses-là, ils méritent vraiment. Et tout ça, c'est parce que ils sont des joueurs. Ils savent interpréter, ils savent jouer avec
leurs partenaires, qui savent coder et décoder leurs partenaires et adversaires. Et c'est pour ça qu'ils sont arrivés à ce niveau. Vraiment bravo à ces jeunes Nigériens et bonne continuation au mondial. Et j'espère que si le Sénégal n'amène pas la Coupe du Monde, vous amènerez la Coupe du Monde.